Radio, your Twitch et your YouTube, parce que c'est aussi enregistré pour YouTube. Allez, let's go. Un HDMI 1. Alors, voilà, let's go. Alors moi, j'ai un grand écran pour le jeu. Allez, c'est parti. Appuyez sur Start. Et oui, j'ai battu Tonton Fredo. Hier. Allez, Château des Champions. Donc là, je pense qu'on va faire Sandra. Et ensuite, on enchaînera sur la Ligue Pokémon. J'espère qu'on va pas trop galérer sur Sandra. Alors pourquoi pas lui, mais alors Pokémon de A à Z, voilà, je suis super. Oh, Giga Sensu, mais il est très lent. Par contre, allez, on prend. Il faudra au moins un Pokémon Glace. Pam pam, padabadabam. Voilà. Alors, paf. Ok. Ah putain, le moment où faut choisir le Pokémon, quoi, c'est super. Allez, on prend lui. Allez, on va prendre lui. Putain, il a vent glace. Une attaque de type glace réduit la vitesse de la cible si elle est touchée. Ça peut être utile. C'est même pas marqué si c'est spécial ou physique, malheureusement. Psycho. Bah, à la limite, ouais, psycho. Pour psycho, ouais. Après, faut pas oublier que c'est du dragon. Il y a un petit Pokémon glace. Alors, quel Pokémon serait bien? Je me le demande. Allez, lui. Allez, c'est bon. C'est bon pour lui. La reine des Benel, dresseur numéro 1. Je m'entraîne en combattant tout le temps. Ok, elle a de l'insecte, des plantes et du normal.
Voilà, donc on va faire ça. Voilà, paf. Allez, let's go. Voilà. La voici la Voilou, la dernière des arènes. Le challenger va devoir affronter les membres d'Evenel. Tout d'abord, Gloria, une top dresseuse. Le top dresseuse. Et numéro 1, Melof. Oh putain. Faut que je change. Pas de Pokémon, celui-ci ne devrait pas être le bon. Allez, on change. C'est un Nidectek. Ouais, déflagration, pas mal. Un coup léger, ouais, un coup très léger. Comment va réagir ce nouveau Pokémon? C'est mon cas en premier. Comment va-t-il réagir? Bien touché. Il aurait pu être paralysé. Désolé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bravo. Coup vicieux. Et le combat continue. Ouais, il continue le combat. Allez, point éclair. Allez, un petit coup critique ou une paralysie, s'il te plaît. Et voilà son attaque. Tiens, ça t'apprendra. Ah, il ne peut pas bouger. LOL. Chers amis, quel... Et voilà. Allez. Un point clair. Et voilà. Ah, il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Ok. Ah, le dresseur se prépare à utiliser un autre, notre Pokémon. Pokémon. Alors... Allez, point éclair. Allez, point éclair, vas-y. Oh, une attaque très rapide. Ah oui, j'ai touché. Oh, pas mal. Psycho. Et oh après... putain. Oh, un coup bien léger. Yes. Bah, pas fait mal. Ah, c'est une bien belle rencontre. C'est une bien belle rencontre, ma foi. Et maintenant... Ça va! Une lourde fatigue. Ah, attendez, je regarde juste un tout petit truc. Normalement, ça aurait dû s'activer. L'annonce. J'ai oublié une annonce pour les clips. Hein. Mais ça s'est pas fait. Ah, c'est un Floravol. Floravol. Dernier Pokémon. Ah, il y a une grande différence de point de vie entre... Allez, on change de Pokémon, on va envoyer Cadoiso. Et c'est un changement de Pokémon. Psyou. Ah, c'est un Cadoiso. Coup de boule. Mais ça va pas faire Et voilà son attaque. Une frappe légère, oui. Quelle sera la... Allez, let's go. J'espère qu'il va pas être apeuré. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, un coup léger. Mais bon, et rate pas ton attaque. Il naît. C'est bizarre. Ah, le point faible a pris un coup. Parfait. KO en un coup. Il est déclaré le vainqueur, c'est bon. Victoire défaite. Perdre, moi, j'aime pas.
Continue à combattre. Ouais, je continue. Arène des Bénètes, dresseur numéro 2. Oh, bah, il a les starters. Alors, et donc de la plante, du feu et de l'eau. Ok. Voilà. Le prochain combattant est Vince le top dresseur. Attention, il est fort. Attention, il est fort, ouais, mais il est juste. Mais il a juste. Attendez. Ah, il était désactivé, je crois. Il n'était pas activé. Ok, alors. Allez, je vais essayer de faire une petite balle en bas. Voilà l'attaque! Lance-flamme. Voilà, n'hésitez pas à clipper s'il y a des moments marrants. Vous pouvez aussi mettre le lien du clip dans le chat si vous voulez. Voilà, c'est bon, ça a marché. Les deux dresseurs se donnent à fond. Les deux dresseurs se donnent à fond. Lance-flamme. Il va me brûler, je suis sûr. Même pas. Pokémon accuse une lourde fatigue. Il a fait mal. Il lance ballon, bah, voilà. Allez, un Pokémon de moi. Un Pokémon de moi. Ma salle à mort. Quel sera le prochain Pokémon? Voilà. Oh, c'est un Bulbizarre bizarre. L'ennemi est affaibli, il est temps d'attaquer. Ah, il y a une grande différence de point de vie entre les deux combattants. Allez, prélèvement destin. Ah oui, il cherche à emmener l'ennemi au tapis. Eh ouais. Allez, bye bye. Ouh, giga sensu. Ah oui, c'est poussé. Il emmène l'adversaire au tapis. Oh, 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 KO. Allez! Il emmène son adversaire jusqu'au tapis! Ah, il était efficace le Bulbizarre. Ah oui, demain, il n'y aura pas de stream finalement. Ouais, c'est ça. Bah, je peux peut-être envoyer Electek. Demain, il n'y aura pas de stream finalement. Le prochain stream, ça sera dimanche. Voilà, ça sera dimanche sur Majora's Mask, bien sûr. Electek. Allez, point éclair. Allez, un petit point éclair là. Un point éclair. Effet garanti. Ah, il retrouve son statut normal grâce à l'objet dans ses pattes. Surf de Kaiminus. Aïe, oh, un coup léger. La fin du match est proche. Eh ouais, elle est proche. Est-ce le KO ? Ouais. Voilà. Le vainqueur est déclaré. Et le combat est terminé. Et voilà. C'est gagné. Victoire défaite. Excuse-moi de t'avoir pris pour un débutant. Allez, Sandra, tu veux être le maître? Eh bien, on va voir ça, mon poulet. Ok. C'est bien, on a Loclas et Draco en commun.
Allez, let's go. Voilà. Notre sympathique challenger est enfin arrivé jusqu'au dernier des champions d'arène, Sandra Debenel. Voyons si Spectrum. La furie des Pokémon Dragon. Allez, let's go. Ok, change pas. Et voilà, c'est commencé. Oh, un coup bien léger. Un coup bien léger, ouais. Hydrocanon. Crac. Allez, refais l'hydrocanon. Ah oui, ça s'en venait l'ennemi au tapis. Voici le Draco souffle. Bravo. Il emmène l'adversaire au tapis. Oh, il s'évanouit. Il emmène son adversaire jusqu'au tapis. Eh ouais. Fallait pas faire ça, mon gars. C'est terminé. Allez, 2 contre 2. À votre avis, j'ai envoyé qui? Oh, c'est un Draco. Draco contre Draco. Alors lequel va attaquer en premier? Et lui, il a le droit d'avoir colère. Allez, sois paralysé, s'il te plaît. Oh, une attaque très rapide, mais super efficace. Oh, alors ça, quelle action débordante. Voilà l'attaque. Oh, méga dégâts. Ouh. Yes. Le coup critique qui va bien là. Le coup critique qui va bien. Dernier Pokémon va faire son entrée. Ah, c'est un Arcana. Tout va dépendre du dernier Arcana. Pokémon. L'un des Pokémon semble en forme, mais l'autre accuse une certaine fatigue. Vitesse extrême. Ah, une vitesse extrême. Parfait. Ah, pas mal. Et il est KO. Plus qu'un Pokémon. Pssiou. Oh, c'est un Melatec. Et c'est le dernier Pokémon. Il n'y a plus qu'un Pokémon. Allez, point clair. Paralyse-nous, s'il te plaît. Et maintenant. Ah, il succombe à la paralysie. Il creuse un passage souterrain. Ok, j'ai une chance qu'il soit paralysé. Okay. Sois paralysé, s'il te plaît. Ah, il est mieux protégé contre les attaques spéciales. Et l'attaque vicieuse. Ah oui. Oh, ça donne un pont. Faudrait que ce soit paralysé. Et voilà. Touché. Oh, une belle frappe. Oh, c'était juste. C'est quoi ça? J'ai même pas le droit de faire de coup critique ni rien. On va essayer avec eux. Notre sympathique challenger est enfin arrivé jusqu'au dernier des champions d'arène, Sandra Debenel. Sandra Debenel. À la furie des Pokémon Dragon.
Un Electek. Surf. J'aurais dû, j'aurais dû envoyer le classe peut-être. Bon, ça va. Et point clair. Intérêt à être paralysé pour la prochaine fois. Et le combat continue. Allez, point clair. Ah, voilà l'attaque. C'est super efficace. Ah, faudrait peut-être que. Challenger est enfin arrivé jusqu'au dernier des champions d'arène, Sandra Debenel. Voyons s'il pourra résister à la furie des Pokémon Dragon. Oh putain. Allez. Alors, deux petites secondes. Voilà. Ah. Changement de Pokémon. Celui-ci ne peut pas être bon. C'est un Rhinophéros. Rhinophéros. Bon, allez, le... l'écran. Merde, merde. Ah, si, c'est bon. Voilà, c'est commencé. Ah, ça n'a aucun effet, ça. Quel sera l'impact de ce changement de Pokémon? Mais non. C'est pas ça que je voulais faire. Ah. Electek. Pam, pam. Alors, voilà, après je pense qu'il a changé de Pokémon. Le Challenger est enfin arrivé jusqu'au dernier des champions d'arène, Sandra Debenel. Voyons s'il pourra résister à la furie des Pokémon Dragon. Alors, je pense que il va que Sandra va changer de Pokémon. Allez, Spectrum. Il se prépare au combat. Oh, un soudain changement de Pokémon. Ah, c'est un Spectrum. Ah, voilà l'attaque. Ah, coup sévère. Comment va réagir ce nouveau prélèvement destin. Ah oui, ça sent venir les nuits au tapis. Nanana. C'est le drap au souple. Bravo. Il emmène l'adversaire au tapis. Ah ça y est, dans les pommes. Et bah voilà, dans les pommes. Allez, un Pokémon de moins déjà. Il emmène son adversaire jusqu'au tapis. Eh ouais. Quel a pas. Allez, on va envoyer Rwagada. Oh, c'est un Pharamp. Ah, c'est un Rwagada. Il y a deux Pokémon restant de chaque côté. La rencontre fait des étincelles. Et entrave. J'espère que c'est point éclair. Oups, c'est raté. Point éclair, allez. Ok, donc elle a pas son son Rhinophéros. Coupe bien léger. Ah, voilà l'attaque. Non, ça n'a pas touché. Ça a raté. Oh, alors ça qui est la
Ah, la ratée hydrocanon. Ça, c'est cool. Allez, point éclair. Vas-y. Et maintenant. Oh, ça n'a pas fait très mal. Ah, une attaque très violente. Touché. Ah, une belle frappe. On fait un centre, ma foi. Merde, j'ai donné un coup dans le micro. Allez, un petit creep ou une paralysie, là. Et après, oh, une frappe légère. Allez, rate encore hydrocanon. Hydrocanon, bien touché. Dommage. Ah, ça y est, dans les pommes, non. Ah, quel sera le prochain Pokémon? C'est un Spectrum, ok. Ah, il y a une grande différence de point de vie entre les deux combattants. Et voilà. Et il est KO. C'est terminé. Mais non. Paf, paf. Allez. Voilà. L'agresseur se prépare à utiliser un autre Pokémon. Oh, c'est un Pharamp. Pharamp. Alors, Pharamp, normalement, il n'est pas plus rapide que mon Spectrum. Il y a deux Pokémon restants de chaque côté. Allez, une petite baisse de défense spéciale. Allez, un petit crit. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une frappe bien superficielle. Ouais, super. Touché. Le dresseur se prépare à utiliser un autre Pokémon. Oh, c'est un Pharamp. C'est un Pharamp. Deux Pokémon restants de chaque côté. Comment va-t-il réagir? Ah, oh, un coup léger. Et là, il fait un crit. Imaginez. Ah oui, c'est touché. Parfait. Chers amis, quel beau combat. Ah oui, il cherche à emmener l'ennemi au tapis. Touché. Ah, ça lui a fait mal. Il emmène l'adversaire au tapis. Oh, il est au tapis. Yes. Il emmène l'adversaire jusqu'au tapis. Il est aussi au tapis de son pharaon pour moi. C'est terminé. Alors, normalement, j'espère ne plus. Enfin, j'espère que Rouagada va pouvoir faire quelque chose. Oh, c'est un Draco. Tout va dépendre du dernier Pokémon. Ah, c'est un Rouagada. Et c'est le dernier Pokémon. Il est plus lent. Ils tiennent bon tous les deux. Les ordres sont faits. Colère. Et maintenant. Une frappe bien superficielle. LOL. Ah, une attaque très violente. Touché. Ah, une belle frappe. Pas mal. Et le combat continue. Et voilà son attaque. Oh, ça n'a pas fait très mal. Oh, une attaque très rapide. Allez. Bien touché. Ah. Oh, alors ça, quelle action débordante. C'est bon, il a fini avec colère. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une frappe légère. Il fallait en haut. Bravo.
Le dernier Pokémon est au tapis. Et c'est gagné. Allez, niveau est terminé. On a battu Sandra enfin. Le pistolet à eau pour finir. Battu. Moi, j'en suis Baba. Allez, let's go la ligue. Eh, tu as triomphé jusqu'à présent, c'est bien. Tiens-toi maintenant prêt à affronter le conseil des quatre. Le conseil des quatre. Alors, Clément, Koga, Ado et Marion. Ah ouais, c'est vrai qu'il faudra les enchaîner. C'est tout. Alors. Display 2. Voilà. Alors, paf. HDMI 1. Allez, let's go. Alors. Je crois qu'on va commencer par Clément. Alors pour Clément, en fait, il faudra peut-être privilégier les Pokémon de type ténèbres. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans... Enfin, ténèbres ou insectes. Et malheureusement... il n'y a pas beaucoup de Pokémon de type ténèbres et de Pokémon de type insectes non plus. Y a pas un Pokémon avec Balombre. L'ancien Pokédex, parfait. C'est l'ancien Pokédex. Allez. Ok. Alors Malos. Alors. Ténèbres. Bon après lui la feinte mais... Ok. Alors. On a deux Pokémon de type ténèbres, après c'est Aldo. Aldo, on va peut-être plus privilégier le psy. Le psy, ouais, peut-être. Plante peut-être.
Alors, psy maintenant. Le psy. Ok, attends, on va avoir des Pokémon de merde. Hein. Après, Aldo. Non, Koga. Ah, Koga, c'est Pokémon poison, donc on a déjà un Pokémon de psy. Donc ça, c'est cool. Après, Waldo, ouais. Marion. Marion, c'est type ténèbre. Donc il faut soit de l'insecte ou du combat. Après, ouais, après, on va peut-être prendre un petit Pokémon haut quand même, on sait jamais. Surf, ok. Donc je pense que je vais prendre lui. C'est vraiment de la merde ce que j'ai pris. Alors. Voilà. Allez, let's go. Parfait. Et oui. Oh, le conseil des quatre fait son apparition et barre la route du challenger. Et voici Clément, le maître des Pokémon Psy, qui fait son entrée. Eh ouais, il fait son entrée. Allez, dis poutou là. Ah, c'est une bien belle rencontre, ma foi. Rat de vol. Et voilà. Ah oui, c'est touché. Allez, coup critique peut-être. Ah, voilà l'attaque. Effet garanti. Ah, dommage. Il va faire vol. Et c'est un changement de Pokémon. Oh, c'est un hypocéan. Un hypocéan. Il continue son attaque aérienne. Comment va réagir ce nouveau Pokémon? Une frappe bien superficielle. C'est bien superficiel, parfait. Allez, brouillard. Ah, le brouillard se lève. Ah, sa précision a été diminuée. Ah, il y a une grande brouillard, allez. Entre les deux combattants. Ah, attaque psy. Je vais faire psycho. Ok, allez. Ah, le dresseur change de Pokémon. Ce Pokémon arrive au combat déterminé. Giga sensu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oups, c'est raté. Ça a raté. Et en quoi ce changement de Pokémon va-t-il affecter l'issue du combat? Peut-être que ça rate. Non, ça n'a pas touché. Les deux dresseurs se donnent à fond. Ils s'impressionnent en prenant des pauses. Attaque aérienne. Oh, c'est loupé.
Allez, c'est bon, parfait. Un mélodelphe. Allez, let's go. Chers amis, quel beau combat! J'espère que je suis plus rapide que le mélodelphe. Oui. Et j'espère que... je vais pouvoir le brûler quand même. Ça va. Total food. Alors, est-ce que Colossinge est plus rapide que Mélodelphe? À tous les coups, il y a... deux Pokémon restant de chaque côté. La rencontre fait des étincelles. Et c'est un changement de Pokémon. Oh, c'est un Noah. Notre coco. Et maintenant, bah, le point faible en a pris un coup là. Quel sera l'impact de ce changement de Pokémon? Alors j'espère que ça va pas tuer le psycho. Ouh, il est prêt à attaquer. Le violent psycho. Le violent psycho. Juste pour qu'il soit... Voilà. C'est vrai. Comment va réagir ce nouveau Pokémon ? C'est peut-être une chance. C'est quoi ça ? Le changement de stat a fonctionné. Attaque psy, rate. Le violent psycho. Le violent psycho. Parfait. Putain, ça va être chaud. Ça va être hyper chaud. Le prochain Pokémon est prêt. Oh, c'est un colossal. Il y a deux Pokémon restants de chaque côté. Ça change de Pokémon sans arrêt ici. Ouais, ça s'achète dans la rencontre. Et les dresseurs adverses changent aussi de Pokémon. Oh, c'est un autre. Noix de coco. Quel sera l'impact de ce changement de Pokémon? Oh, un soudain changement de Pokémon. Le Pokémon sort de sa Pokéball. Allez, brûle-le, là. Hein. Et voilà son attaque. Touché. Oh, une belle frappe. Allez, en quoi ça... Alors, je vais faire une sauvegarde. Voilà. Comme ça, je tenterai le Zénith. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Je tape fort aujourd'hui. Fatal Food, il peut rater, il peut rater. Oh, c'est loupé. Et le combat continue. Ah, ok. Allez, un petit crit pour être sûr. Comment va-t-il réagir? Ah oui, c'est touché. Ça fait mal, hein.
Il peut rater aussi. Aussi. Oh, c'est les trois très efficaces. Ils tiennent bon tous les deux. Et parfait. Bravo. Coup vicieux. Il voulait se servir du soleil pour faire des flagrations, quoi. Jamais vu ça. Le dernier Pokémon va faire son entrée. Alors je fais ce combat là et je ferai la pause après. J'ouvrirai révèle à un nouveau Pokémon. Et du dernier Pokémon. Ah, il y a une grande différence de points de vue. Allez, vas-y. Yes, j'attaque en premier. J'ai gagné, je crois. Quelle attaque vicieuse! Oh, ça peut faire mal! Yes! C'est gagné! Le vainqueur est déclaré! Et le combat est terminé! Premier combat de la ligue terminé! Ah, voilà, parfait! Voilà. Display numéro 2. Display par numéro 2. Voilà, paf. Voilà, donc moi je vais vous lancer la pause. Voilà. Bon bah. Je reviens dans quelques minutes. Allez, à tout à l'heure les enfants.
Thank you.
Allez, paf. Et voilà, non. Toujours pas. Le fond vert. Jamais. C'est bon ? Ouais. Le switch. Bien sûr qu'on continue. On va affronter Aldo. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. J'ai perdu le téléphone. Je t'ai mis un. Ah non, on va pas affronter Aldo, on va affronter Koga. Oh, il y a plein d'insectes. À la limite, par précaution, je vais peut-être prendre. Je vais peut-être prendre. Merde. B. Voilà. Ah ouais. Alors. Voilà. Voilà. Alors, pas précaution que je pourrais prendre. Ah. Allez. Hypocéron peut-être. Et paf! Bam. Allez, let's go. Le prochain adversaire est Koga, le terrible ninja. Le challenger doit garder l'esprit clair. Allez, go Abra. Et c'est électrode. Allez, psycho, vas-y. Reflet. Vas-y. Allez. Ah, il augmente son esquive. Ah, une attaque très violente. Une attaque très violente. Touché. Oh, une belle frappe. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, la défense spéciale a été affaiblie. Sa défense spéciale a été affaiblie. Eh ouais. Reflet, hein, il fait encore reflet. Encore une fois, il décide de ne pas attaquer. Il va pas rater, il va pas rater. Oups, c'est raté. Ah, c'est une bien belle rencontre, ma foi. Et vas-y. Oh, mais arrête de faire reflet. Les points glace, j'espère qu'il va être gelé. Et maintenant, hop, encore raté. Allez, deux dresseurs. Allez, psycho. Fatal Food. Vas-y, j'espère que tu vas rater. Ah, voilà l'attaque. Ah, touché vert. Allez, vas-y, rate pas ton psycho, s'il te plaît. Oh, une attaque très rapide. Sois gentil. Voilà. Allez, vas-y. Le prochain adversaire est Koga, le terrible ninja. Le challenger doit garder l'esprit clair. Tadada. Oui. Ah, j'espère que c'est électrode. Et c'est électrode. Coup croix. Allez, vas-y. L'esquive augmente. Ok, parfait. Coup croix. Ah, une attaque très violente. Non, ça n'a pas touché. Et non. Chers amis, quel beau combat. Toxique, miam miam. Allez, coup croix, vas-y, rate pas. Ah, voilà l'attaque. Touché. Ah, ça lui a fait mal. Tiens, ça t'apprendra. Là, les deux dresseurs se et puissance, vas-y.
Reflet. Putain, il va faire reflet. Ah, il augmente son esquive. Ouh, il est prêt à attaquer. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, le... Ah, putain. Électrode utilise reflet. Non, mais il aime bien reflet. Hein. Ah, il se concentre pour améliorer ses stats. Coup croix de Colossinge. Et tac, coup croix. Oh, c'est loupé. Les tunnels, vas-y. Il est toujours debout, mais je suis empoisonné. Il creuse un passage souterrain. Voilà, il est mort dans... Le prochain adversaire est... Koga ! Terrible ninja ! Le challenger doit garder l'esprit clair. Si. Vas-y mon grand. Électrode, qu'en dis-tu? Giga sensu. Il est chiant à faire reflet. C'est une bien belle rencontre, ma foi. Et poudre toxique. On va voir s'il va rigoler. Hey, il augmente son esquive. C'est de la poudre toxique. Hop, encore raté. Putain, il est chiant. Allez, on m'a empoisonné. Ah, il augmente son esquive. C'est quoi ça? Alors ça, encore loupé. Ah, mais c'est pas possible. Chers amis, quel beau combat. Ok, il est empoisonné. Et le combat continue. Rugissement, allez, vas-y. En plus, il fait que ça. Ah, il se concentre pour améliorer ses stats. Ok. Rugissement. Non, non, la capacité a échoué. Ça va être long, hein. Je vous le dis tout de suite. Fatal Food, ok. Et après... Oh, c'est loupé. Alors, je peux... Ok. Et maintenant... Oh, une autre attaque gaspillée. Allez, Giga Sensu. Fatal Food. J'espère qu'il va rater sa Fatal Food. Et voilà son attaque. Ça n'a pas beaucoup d'effet. Et Giga Sensu. Fais un petit crit au moins. Un tout petit crit. Oups, c'est raté. Ah, c'est une bien belle rencontre, ma foi. C'est quoi ça? Allez. Hop. Et Giga Sensu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il peut pas rater une fois. Alors, ça,
Ouais, c'était bien faible. Ah, il ne peut pas bouger. Chers amis, quel ça va être chiant. Et maintenant. Non, ça n'a pas touché. Vas-y. Allez, Giga Sensu, marche, s'il te plaît, marche. Vraiment le moment. Ouais, c'est pas vraiment le moment, l'attente du joueur. Oui! Pour une fois que j'ai touché. Oh, il est au tapis. Il est au tapis. Joli. À quel sera le prochain Pokémon? Piou! Alors, ça va être qui? Aéromite, ok. J'ai plus de... Ok... Ninja reflet. Ah, il augmente son esquive. Il est bel et bien paralysé. L'un des Pokémon... Et charge, vas-y, charge. L'autre accuse une... Reflet. Ça va être chiant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oups, c'est raté. Ah, il y a une grande charge. Entre les deux combattants. Rafale psy. Non, mais putain. Le... Ah, bravo, touché. Et un coup léger le termine. Cette mise au tapis annonce l'entrée d'un nouveau Pokémon. Malos. Que va-t-il se passer? C'est un Malos. Et lance-flamme, vas-y. Reflet. Vas-y, rate pas ton lance-flamme. Hey, il augmente son esquive. Hey, il augmente son esquive. J'ai fait Zénith. Le poison toxique. Le poison va lentement affaiblir la victime. Le Zénith de Malos, vas-y, allez. Ne tape pas fort aujourd'hui. Chers amis, ah, il lance flamme. Vas-y, lance-flamme. Et voilà. KO. Ah, au tapis, on a un coup, ouais. Le dernier Pokémon va faire son entrée. C'est un Migalos. Est-ce que je suis plus rapide que Migalos? Est-ce que je suis plus rapide que Migalos? Vas-y. Le soleil tape fort. Lance-flamme. Oh, je suis plus rapide que Migalos. J'ai gagné, je crois. Je crois que j'ai gagné. Et c'est super efficace. C'est gagné. Ah, tu as été bon. Et voilà, j'ai gagné. Purée, c'était chaud. C'était long. C'était hyper long. Comment as-tu pu battre Clément?
En tout cas, pas de, de la façon dont j'ai fait pour toi. Bon, allez. YouTube, bah, je te dis merci d'avoir regardé cette VOD sur Pokémon Stadium 2. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça fera plaisir. N'hésite pas à me follow sur Twitch, sur Instagram et à rejoindre mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous. Allez, bon bah allez. Bon bah j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine YouTube.